and welcome back. Bienvenue dans notre troisième épisode. Une toute petite récapitulative de notre deuxième épisode, vous vous souvenez? On était invité chez Daniel Echter. On a vu une toute petite partie de sa collection privée. On a parlé de l'art, on a parlé de foot. Mais aujourd'hui, on change le rythme encore. On change la mélodie. Et cette fois, ça c'est la douceur de beauté de Saint-Tropez. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, on vous présente le véritable gentleman de notre village. Une figure iconique, quelqu'un qu'on connaît tous. Et si vous arrivez ici pour la première fois, c'est surtout le nom à connaître. Ladies and gentlemen, quelle joie, quel plaisir de vous présenter aujourd'hui Jean Robert dans son restaurant tant admiré et adoré chez Jean Robert. On est dans le cœur de Saint-Tropez. Welcome! Jean Robert, quelle joie! De te découvrir davantage, si je peux dire, ici au cœur de Saint-Tropez, dans ton restaurant chez Jean Robert, tant adoré. Jean Robert, on te connaît comme un gentleman, on peut dire le vrai gentleman de Saint-Tropez. Mais histoire qui est encore plus touchante, c'est ta vie de family man. C'est quelque chose que j'ai toujours couru après pour conserver ça. Parce que c'est un métier qui est assez difficile. Pour conserver une famille, c'est très difficile. La preuve en est que nous avons fait une petite coupure, un divorce carrément avec mon épouse. Oh. J'avais un enfant. On a divorcé pendant 4 ou 5 ans. Et le sort a voulu que nous revenions ensemble et que nous faisions un autre bébé. Oh. Et que nous recélions encore une espèce de bail, si je puis dire. Quelle belle histoire! Voilà, un truc imprévu vraiment, et c'est pas possible de prévoir un truc pareil. Surtout pendant une coupure de 4 ou 5 ans. Je pense que c'était peut-être un inventaire sans vouloir, tu vois? Oui, et tout à fait. Et pour une ouverture, again. Yes, again, encore plus fort. Je pense. Toi aussi, ta vie de famille. C'est une véritable histoire assez étrange, parce que ça se somme à un seul mot, Richard. Tu sais, sur tous les certificats d'authenticité à la galerie, ça dit dédié à Richard. Dans tous les clips qu'on n'a jamais fait, à la fin des clips, ça dit dedicated to Richard. Et alors, les gens me posent la question, mais qui est ce Richard? Qui est ce Richard? Absolument. Richard, c'est ma famille. C'est un homme qui m'avait sauvé la vie depuis la disparition de ma mère. Alors, il est entré dans ma vie il y a déjà 30 ans. C'est le seul être qui me connaît véritablement. Alors, une fois de nouveau, je dédie tout à lui. Et ça reste pour la vie. Parce qu'à la fois, on connaît ça, les choses qui nous marquent pour la vie. Pour moi, ma famille, c'est Richard. Et mon frère, tant aimé, évidemment. Mais voilà, pour la première fois, je dévoilais qui est Richard. Ça, c'est unique. Ça, c'est superbe. Absolument unique. Superbe. J'ai découvert chez Jean Robert, je dois avouer, assez tardivement. D'ailleurs, c'était que cette année où j'ai découvert le restaurant. Et je l'ai déjà dit et redit, et je vais le redire, je suis tombée follement amoureuse. Pas seulement de l'ambiance, de chic qu'on sent ici, mais aussi, on va toucher ce sujet tout de suite, de mon plat préféré et inoubliable. Mais dis-moi, qui a fait le design de restaurant? Alors, le design de restaurant, c'est fait avec, en famille encore, parce que la famille est toujours là, bien sûr, dans tous les cas de figure. Donc, mes filles, surtout, qui sont un peu plutôt dans le naturel. Et elles ne voulaient pas non plus de décor très, trop design, comme on voit un peu partout, dans les grandes villes, tout ça. Donc on a adapté un petit style, comment dirais-je, un peu tout et un peu rien. C'est-à-dire que à l'atelier 55, que tu connais, oui, m'a aidé dans mon projet parce que lui avait les poteries. Moi j'avais beaucoup de Valoris, mais lui a amené quelques idées, Ça, c'est l'époque qu'on voit ici. Oui, voilà. Ok, voilà. Ok. Moi je dirais que ça c'est chic et élégant, oui, mais vraiment convivial, c'est très chaleureux. Oui, j'ai pensé aussi à. Bien sûr, il ne faut pas penser qu'à l'été, parce qu'à l'été, tu mets des belles chaises, des belles tables dehors, c'est facile. Dehors, c'est fabuleux, très facile. Mais pour une période un peu intersaison, ou même d'hiver,
Le restaurant est plus cosy, plus... Oui, et surtout, mais qui était à l'origine des chaises cinématographiques avec le logo JR? Ah, ça c'est moi, oui. Ça c'est moi. Phénoménal. Faire un petit cliché au cinéma, j'adore ça aussi. Une petite anecdote, oui. Avant de venir ici, mon rêve c'était de m'asseoir sur cette chaise JR. J'ai trouvé ça tellement chic, magnifique. Merci, magnifique. Una, merci. Et qui est notre chef qui fait ces plats magiques? Notre chef est allemand et bon, je te cache pas que je ne lui ai pas imposé, mais je lui ai suggéré quelques recettes que j'avais de grand-mère et qui étaient absolument délicieuses. Donc pourquoi les laisser de côté alors qu'on pouvait les remettre au goût du jour? Bien sûr. Et quel est le plat, cette recette de grand-mère? Le plat signature, c'est un petit peu comme la grand-grand-mère était d'origine espagnole. Il y avait un plat qui s'appelait le caldero. Caldero. Caldero, oui. Et ça, ça voulait dire chaud et mijoté. Donc vous avez des pâtes au caldero qui sont absolument... Mais non, Jean-Robert, ce n'est pas mon plat préféré, c'est celle-là. Ah, c'est ton plat préféré également? C'est alors le plat dont je vraiment rêve depuis deux jours, ça c'est la recette de grand-mère. C'est ça, c'est celui-ci. Mais je suis tombé dessus pile. On peut dire que pour les amants des cigares, ils connaissent tous les cigares, ils ont le goût préféré. Pour les connaisseurs de vin, la même chose, mais moi je suis connaisseur des pâtes aux fruits de la mer, il faut me croire. Mais j'ai dit que je n'ai jamais à ma vie goûté les pâtes pareilles. J'étais choquée, véritablement choquée. Et alors, je reviens et reviens et je vais revenir une fois de nouveau pour les pâtes inoubliables. Et on les appelle, rappelle-moi s'il te plaît, encore. Les pâtes. Stracci Caldero. Voilà. Alors, attention à Stracci Caldero, c'est inoubliable. Quel peut être ton restaurant préféré depuis que tu es à Saint-Tropez? Mon restaurant préféré à Saint-Tropez est devenu ici, chez Jean-Robert, chez toi. Wow. Parce qu'on a tout en même temps. On a mon plat préféré que je n'ai jamais goûté avant. On a ce côté convivial tropézien dans un style qu'on cherche depuis toujours, dans une élégance mais très naturelle, très soutenue. Alors l'opportunité de te remercier pour ça, vraiment, merci. De cette belle, belle création. Merci, Una. Oui, et j'aimerais te poser une question, peut-être un peu indiscrète, mais s'il te plaît, dévoile-moi cette secret. Quel est ton parfum qu'on ne peut pas oublier? Quel est le parfum que tu portes? Je mets ça depuis au moins 25 ans. C'est un Gentleman de Givenchy. Gentleman de Givenchy, on t'appelle Gentleman de Saint-Tropez. Quel est ton lien avec cet village? Quelle est ton histoire avec Saint-Tropez? Je suis venu à Saint-Tropez, j'étais assez jeune. Et déjà au virage, je ne sais pas si tu vois, tu dois voir, parce qu'il y a un virage des 13 ans en arrivant qui s'appelle le 13-1, je crois. Et au virage, on voit ce bleu, ce rose. Et c'est un truc que je n'avais jamais vu avant. J'ai flashé complètement là-dessus, j'ai dit, mais c'est ici que je saurais. C'était le virage avec les arbres, oui. Magiques, où oui. D'un coup on voit là, d'un coup tu le vois, oui. dès que tu as débordé, tu as ce tableau inoubliant. De maître, magnifique, avec des couleurs fantastiques. Et j'ai flashé là-dessus, j'ai dit, mais c'est ici, c'est pas croyable, qu'est-ce que c'est beau. Je n'avais jamais vu ça et je me suis dit, il n'est pas là pour rien. C'est le village de rêve. Pour moi, Saint-Tropez présente l'église. Je suis très, très, très liée avec l'église de Saint-Tropez. D'ailleurs, on parle de ça, j'aime bien dire toujours. D'être gardien de cette église, c'est le moment très unique dans la vie parce qu'on pense qu'ici, ça fait un purpose, une raison d'être. Et alors, parlons de cette magnifique médaille. Ah oui! Médaille de chevalière de l'Ordre de Mérite. Comment est-ce que tu as vécu ça? Écoute, un jour, c'est un coup de téléphone que j'avais. J'étais chez Sénéquier. Un coup de téléphone un peu. Presque irréel. Vous êtes nommé pour être. Chevalier de l'Ordre du Mérite. On sait que vous avez donné la chance à quelques handicapés au travail, alors que ça ne se faisait pas encore. Alors, j'ai pas tout de suite. J'ai eu un temps de recul parce que je me suis dit, est-ce que c'est, est-ce que
que je mérite ça, parce que je ne suis pas habitué à tout ça, à tous ces honneurs. Et puis, c'est ma famille encore qui m'a poussé, qui m'a dit, mais oui, vas-y, vas-y, c'est un... Mais bien c'est sûr. Une, c'est, comment on appelle ça, c'est un joli retour, c'est un partage, donc pourquoi pas. Et je l'ai fait, et puis ils m'ont nommé. Ton expérience est vaste, vastissime, si on peut le dire en français comme ça. Je sais que tu as rencontré beaucoup de monde impressionnante et intéressante. On les appelle peut-être, on peut le dire, guests. So, quel est ton guest préféré, s'il y en a un? Oui. Qui est-ce que tu peux choisir? Oui. Dans la mode, il y a quelqu'un qui m'a ébloui constamment, c'est Karl Lagerfeld. Oh, ouais. Yes. Parce qu'on avait organisé un défilé Chanel chez Sénéquier en 2010. Inoubliable. Et on avait parlé légèrement avant, il voulait organiser un défilé dans une brasserie en mouvement. Je trouvais ça très, très atypique et pourquoi pas. Parce qu'il était assez unique dans ses choix de défilé. Mais oui. Ça, je ne t'apprends rien, bien sûr. Je me rappelle une petite anecdote. J'étais au Sénéquier, j'ai un peu brisé les règles parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... beaucoup de icons, si on peut le dire, qui visitent Sénéquier. Il ne faut pas les perturber. C'est la règle numéro un. Ouais. Et puis, il y avait Karl Lagerfeld, on l'a vu. Et j'ai proposé à un ami qui était avec moi d'aller chercher cette fameuse signature de Karl Lagerfeld sur une des affiches. Et il l'a fait. Il Bravo. Était très gentil. Bravo. Ça s'est passé très, très bien. Bravo. Jean-Robert, tu es tant aimé par les gens. Comme on disait, tu es vrai icon de Saint-Tropez. Mais est-ce que la vie politique de village, est-ce que ça peut t'intéresser? On te voit vraiment comme un maire idéal, le maire de Saint-Tropez, tout honnêtement. Alors, je ne te cache pas que, bien sûr, on est venu me proposer, bien sûr, de... Peut-être pas maire, mais on est venu me proposer d'être dans une équipe de la mairie. Et... Après un petit peu de maintes réflexions, je pense que j'ai pas accepté parce que c'est... J'ai eu peur de faire des différences avec les uns et les autres. Il y a des fois des petits noyaux oui, qui sont il faut un choisir. Peu... Oui. C'est toujours une division. Il faut choisir pourquoi lui s'est mis là, on l'aimait bien, pourquoi il a... Il y a toujours quelqu'un qui va parler. Et comme je suis commerçant, je ne veux pas froisser, je veux rester voilà, à ma place. Et... Bien aimé par tout le monde, pour oui, toujours. Mais conseiller peut-être, mais pas faire partie d'une équipe à part entière, non. Non. Et puis si je le fais, il faut le faire, c'est un travail. C'est un travail entier, voilà. Bien sûr, tous ça prend les jours. Du temps, donc est-ce énergie. Que j'aurai le temps? Est-ce que je ne dédaignerai pas ma famille à l'aube de quand même mes 70 ans? Donc je préfère encore bien profiter de mes petits-enfants, de ma famille, mon resto, voilà. Jean-Robert, on a une petite coutume ici chez nous, dans cette émission Made in Saint-Tropez, puisqu'on rencontre les gens uniques, pour moi inoubliables, est-ce que tu aimerais laisser quelques mots qui peuvent marquer ce moment à jamais? Absolument. Quelques mots écrits, on appelle ça love note. Et si tu acceptes, j'aimerais bien te laisser une love note pour toi aussi. Bien sûr. Alors on le fait? On le fait chacun de son côté? On le fait chacun de son côté. C'est avec un immense plaisir et une certaine fierté de dialoguer avec Una, une vraie femme de cœur et belle comme Saint-Tropez. Affection sincère, Jean-Robert. Thank you so very much. J'ai osé plaisir. L'écrire en anglais parce qu'anglais est un peu plus fluide. Oui. Je disais tout Jean-Robert, unique gentleman of Saint-Tropez. On my canvas, you present one single color, and that is royal blue. Above your elegance and kindness, we feel at ease in your unique kingdom. Merci. Thank you. With love, Una Saint-Tropez. S'il te plaît, attends-nous nombreuses ici dans ton demeure de rêve. Merci. Chez Jean-Robert, où on se sent vraiment, vraiment comme une partie de cette belle kingdom. Merci beaucoup. Obvious. Merci. Merci pour tout.